tuk-tuk, ça enregistre. On est content. Ça enregistre. Oui. À la portugaise. Ça enregistre. Enregistre, caray. Ça enregistre. Enregistre. On a trouvé un truc dans le placard ce matin. Je sais pas si vous voyez. La plus grande discothèque du monde. 25 titres enchaînés non-stop, volume 8. C'est quand même marqué dessus, faut quand même le noter, hein, c'est un engagement de qualité. Skyrock. Le mec, on dirait pas Carlito, mais genre vraiment plus baraque que ça, tu vois. Genre, ouais. Un mélange de bien Carlito. Bronzé, bien bronzé et baraque. Et puis, tu sais, c'est un mélange de Carlito et de Jean-Claude Van Damme. Donc le CD est là, hein, on va le mettre. Ah oui, attends, j'ai oublié un truc, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ça. Attention, c'est parti, musique de qualité, messieurs dames. Oui. Allez, 1, 2, 3. J'en ai marre. Alors du coup, d'après leur connerie, c'était censé passer en boîte à l'époque, ça. Attention, on va pas écraser le monsieur, là. Ah oui, mais bouge avec ta voiture. Le mec, les vitres, elles sont ouvertes. Mais bouge, putain. Attention, c'est bon de la qualité, hein. Et là, vous imaginez Carlito, bronzé, musclé, en train de danser. Et un, et deux, et trois, c'est... Il m'a tué avec son illusion, Carlito. Attends, juste, je voudrais... Bonsoir à tous mes gazettes, j'espère que... c'est pas en intro, ça. Bon, c'est pas grave. Et viens, on essaie de déstabiliser les gens avec ça. Donc je signale, on a les carreaux ouverts. Musique à fond. Avec ça. Voilà. C'est parti, on va déstabiliser les gens. Allez! Encore une fois, imaginez Carlito, baraque, bronzé, en train de danser. Bienvenue en Égypte. Oh là là là. Musique de qualité, on vous l'avait dit, en partenariat avec Skyrock. La première fois que tu l'as écouté, c'était sur Skyrock. Un gars à vélo, attention. À vélo, à vélo. Non, ça vaut les couilles, je crois. C'est trop tard, c'est trop tard. Sans déconner. Faut quand même préciser.
préciser qu'à l'époque, toutes les musiques avaient exactement le même beat, à savoir et c'est tout. Le même rythme, le même truc, avec le même truc pourri, le gars qui chante, il fait et c'est tout. Il y a 25 tubes comme ça sur le bordel, je vous rappelle. Il y a, regarde, il y a, je t'en cite quelques-uns, K-Motion. Rien que le titre, il est magnifique. Earth Kit, MC Sarah The Real, MC Con. Max avec deux X. C'est quand même génial. Ouais. Encore une fois, ce truc est sorti à l'époque en partenariat avec Carlito, Barak, Musclé, Bronzé et Qui Danse et Skyrock. Bon, ce qu'il faut que je vous raconte, c'est que j'ai une anecdote à propos de moi que je n'ai jamais dit. Alors maintenant, à vous de savoir si c'est vrai ou faux, hein, bien sûr, parce que bon. Non, mais frère, c'est la région, ils te laissent même pas passer, quoi. Non. Il m'est arrivé un jour, on était avec des gens, tout ça, et j'ai vraiment failli tuer quelqu'un avec un arc. Tu vois, un arc à flèche. Je faisais tir à l'arc. Pas en compétition, vous en êtes bien d'accord, parce que pour tuer quelqu'un quand même. Non, vraiment en mode blédard puissance 15 000. Et j'ai vraiment failli tuer quelqu'un, je me suis énervé, j'ai fait oh putain fais gaffe ta mère. Voilà, je l'ai visé et tout. Et j'ai lâché la flèche en fait, sans le faire exprès. La flèche lui est passée à quelques centimètres de l'oreille. Vraiment, genre à pas loin, je lui ai transpercé la tête. Voilà. Alors regardez ce qui se passe derrière actuellement. Maintenant, à vous de savoir si l'anecdote est vraie ou fausse. Si vous voyez le pare-brise à l'arrière, regardez ce qui est en train de se passer. On a un putain de scénic qui nous suit de très très près, alors que c'est 50. Et donc depuis tout à l'heure, il nous colle comme un enculé. Depuis qu'il est là, en vrai, hein, il nous colle comme un cinglé, alors que c'est 50. Donc c'est ça que je déteste sur la route, c'est qu'il n'y a aucun respect des distances de sécurité, aucun respect des lignes blanches, des stops, des feux rouges, personne ne respecte rien. Et c'est encore pire à Paris. Parce qu'une fois, j'ai été à Paris, et même au feu rouge, les gens s'en foutent carrément. Les gens passent au feu rouge, il n'y a aucun souci, pas de problème, ils passent au feu rouge. C'est vraiment là... c'est pas conduire mal, c'est le faire exprès. Vraiment. Qu'est-ce que tu penses du match entre France et Belgique? Oh, arrêtez que c'est connerie. On verra bien qui va gagner, j'en sais rien, je peux pas le dire à l'avance. C'est ça, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu penses du match et tout? Ouais, en gros, la question c'est qui va gagner? On verra. Attention à Kevin, c'est la France qui va gagner. C'est la France, c'est écrit, c'est la prophétie, on va gagner. C'est obligé. Parce que pour l'instant... Attention! Pour l'instant, on reproduit le schéma de situation de 1998. À savoir que... J'ai vu un truc sur Facebook, je te jure c'est vrai, et ça correspond exactement. En 98, le même enchaînement, le même ordre, les mêmes trucs. Tout pareil. C'est la prophétie. Il y a un truc avec le Real Madrid qui a gagné comme en 98. Il y a un truc avec la Belgique, ça correspond. C'est peut-être une putain de fat coïncidence qui va se péter la gueule à la fin, à mon avis. Eh, mais on n'aurait pas oublié notre musique. Elle en est à où? Regardez, le beat, le gars qui chante rien, qui chante du yaourt. Les gars vélo. Ah, on s'en bat les couilles. Oui. Ah, parce qu'en plus, le mec il chante quoi? Putain, c'est de l'anglais, on comprend rien. Mais en plus, le pire, c'est qu'on a deux drapeaux français accrochés à la voiture, tu sais. Parce qu'on est comme ça, tu vois. Promis, la prochaine fois, on met du Claude François. Promis. La prochaine fois, va peut-être vite arriver. Hein, fais gaffe. Moi, par contre, j'ai peur, c'est les copyrights. Mais tu sais qu'on s'en bat les couilles, Francis. Bouge-toi, il y a une voiture en face, putain. Merde. Bah oui, on discute ailleurs. Putain, je suis pas bien. Je vais m'énerver, hein. Il y a quelqu'un derrière, non? Pas du tout. Klaxon. Voilà.
maintenant on peut y aller. Ah, j'aime bien les bosses. Ok, alors l'herbe c'est sur le côté, pas sur la route. Mais c'est rien de détail. Abruti. Abruti. Voilà, je voulais, fallait que je le dise. Fallait que ça sorte. Hein, fallait que ça sorte. Putain, mais regarde. Eh, hey, quel travail d'enculé, je vais t'apprendre à travailler avec ton tracteur et ta faucheuse là, putain. Les services municipaux là, rien à battre, putain. Je suis tellement énervé, je positionne. Bon voilà, c'était une petite vidéo un petit peu. Hein, qui. Pas vraiment concept. Il y a pas. Remarque, il n'y a jamais eu de concept aussi. Toi-même, t'arrives pas à décrire ce que tu fais dans la vidéo. Il y a pas. J'ai mis en route, j'ai commencé à capturer, voilà. Alors vous constaterez qu'il a eu une suspension de permis, c'est pour ça que c'est toujours moi qui conduis. Non, je déconne, c'est pas vrai, il a toujours son permis. Tiens, tu veux le voir? On s'en fout, c'est bon. C'est à quoi ça ressemble un permis. Voilà, je crois que je vais en refaire de temps en temps comme ça, des petites vidéos dans ma bagnole, comme ça où il n'y a pas vraiment de truc cadré, enfin, tu vois, pas vraiment, enfin, non, tu vois, vraiment, non. Voilà, en attendant, putain, c'est énorme. On va se quitter en musique. Abonnez-vous à la page Facebook si c'est pas fait et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Over.